Salut! Je suis désolée! Je suis en retard! Non, mais de toute façon, c'était sûr! Hein. En postant ma story à 11h, je pouvais pas être en live à 11h! Voilà! Je préférais faire la story! Alors que vous êtes tous sur Facebook, vous n'êtes pas sur Instagram, donc cette story sert à rien, je le sais! Salut Fanny! Bon, allez, salut Nadia! J'éteins la musique. Allez, aujourd'hui, on va renforcer le haut du corps. Ouais! La partie, les girls, que vous préférez le plus. Ouais! La partie que les garçons préfèrent le plus aussi. Oui! Oui, j'aimerais bien qu'un jour on inverse les rôles et que ce soit que les garçons détestent travailler le haut du corps et que ce soit les filles qui adorent bosser le haut du corps. J'en rêve! Parfait, je suis à la bourre. Ben, c'est très bien, on n'est pas pressé, vous savez, hein, de toute façon. Hein, on se connecte à 11h, 11h02, 11h03, c'est pareil. comment vas-tu? Salut Angélique, merci. Mon épaule, c'était mon biceps. Voilà, mon biceps va très bien, regarde. Ouais, je peux faire ça. Ouais, hop. Voilà, j'avais juste un peu trop forcé sur le rameur et voilà, j'ai bien fait de me calmer, sinon ça va être blessure. Voilà, il faut s'écouter. Ce sera en replay, très bien. Alors, j'ai surkiffé le Tabata en replay. Ah bah super, je suis très contente Corinne. Je suis très contente, vu les commentaires, je crois qu'il vous a plu. Donc bah moi, je suis la plus contente. Je suis la plus contente, on le refera. Alors c'est beignet, Nadia, merci de me poser la question. Je pense que je vous ai bien fait rire hier. Hein. Bah oui, j'ai dit je montre tout. Je montre tout, mais ils étaient super bons. Alors je propose que peut-être que, comme on a eu la recette sur le groupe privé, peut-être que certains d'entre vous, vous peut-être essayer, comme on a la même recette, et voir le résultat, ce que ça donne. Est-ce que c'est moi qui ai fait, je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, peut-être que j'ai coupé ce qu'on m'a dit, peut-être que les pommes étaient trop grosses. Et je dirais que c'est moi qui les ai coupées comme ça. Le seul truc que j'ai pas fait sur la recette, il y a écrit « Couper les pommes en fines lamelles ». Moi, je les ai coupées en carré. Donc, c'était ça le problème. Bon, bref, du coup, si vous voulez faire la recette, allez-y, faites-la. Salut à tous, on se connecte. Donc, vous le savez, le mercredi, c'est toujours « On calme le jeu ». Voilà, on calme toujours le jeu le mercredi. Vous faites marrer avec vos commentaires. Trop joli les beignets, vous êtes trop chou. N'empêche qu'on a tout défoncé. On a tout mangé hier soir. C'était super bon. Et du coup, ils sont pas sucrés, hein. c'est que de la pomme hein, en fait, presque. Avec du fromage blanc, donc c'est cool. C'était bon, c'était le principal, exactement. Un petit coucou du boulot, merci Marjo. Qu'est-ce que je voulais dire? Haut du corps aujourd'hui. Haut du corps. Du coup, je dis qu'on calme le jeu. Donc forcément, là, c'est le cours le moins cardio de la semaine. Merci, Stéphie. Le cours le moins cardio de la semaine pour pouvoir remonter la jauge en énergie demain et vendredi. OK, donc là, ça va être principalement vraiment du renforcement musculaire haut du corps. Donc, on va travailler les petites épaules ici, les biceps, les triceps et... les pecs, juste ici. Ok, il nous faut, alors là, si vous avez les haltères les plus lourdes, prenez les plus lourdes. Oui. Ça dépend de l'exercice, mais je vous le dirai. En fonction de l'exercice, vous prenez les plus lourdes, et peut-être pour d'autres exercices, vous prenez la plus légère. Donc là, si vous avez plus de 3 kilos, allez-y. 4, 5, 6, 10. 10. Ta brassière Décathlon est en solde. C'est pas vrai. Ah bah tiens, ma Nadia qui regarde, parce que du coup, j'ai reçu un message hier qui me dit « Oh, ma brassière Décathlon en corail, elle y était pas. » Merci Béa. Donc apparemment, elle est en solde. Donc c'est encore mieux. Et vraiment, je vous promets, elle est survalidée. Si elle existe en plusieurs couleurs, je vais l'acheter en plusieurs couleurs. je passe du coq à l'âne à chaque fois. C'est terrible, mais c'est en fonction de vos commentaires, les gars. Je suis désolée. Donc, hop. Donc moi je vais prendre les 5 en fonction des exercices, parce que j'ai des 5 maintenant, et 3 quand ça sera sur mes épaules. D'accord. Donc si vous peut-être que vous avez peut-être
Attendez, parce que sinon si mon chargeur ne marche pas, 2 secondes. Ouais, attendez. Attendez 2 secondes, je branche mon téléphone. Je suis là. Je suis là, je ne vous abandonne pas. Hop, mais sinon il allait avoir un drame, on n'allait plus avoir de chrono. Ok. Du coup, si vous avez peut-être plus léger, vous prenez les plus lourds pour les exercices et peut-être 2 bouteilles d'eau pour les épaules. Vous choisissez. Parce que on va travailler 1 minute aujourd'hui. 1 minute, ça va. 1 minute, on a connu pire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le dis avec un grand sourire. 1 minute, bon, par contre, vraiment, vous allez avoir le haut du corps en folie. Hein. En folie. Donc, peut-être les épaules vont prendre cher, mais bon, il faut passer par là. D'accord? Si vous voulez progresser en pompe, c'est tous les exercices qu'on va faire. Donc, du coup, normalement, je pense que vous les connaissez déjà. On va forcément faire du développé couché et tout ça. Voilà. Là, donc, vraiment, j'insiste. Ouais, 1 minute. Ouais, c'est le plus dur. Miguel, là, c'est quand on va faire les minutes de pompe, ça va être les plus costauds. Les plus costauds, car nous n'avons que 10 secondes de récupération. Il faut optimiser le temps. C'était soit... non, j'étais obligée de raccourcir la récup. Il faut que j'achète des haltères de 5 kg, je n'ai que des 3, avec des laisses de 2,5 kg. Bah ouais, mais là, les laisses, tu peux pas les mettre. Tu peux pas les mettre. Ouais. Non, vous inquiétez pas. Vraiment, je vous inquiétez pas. 1 minute avec un vrai chrono. Et non, et c'est pas le chrono, Flo. Je vous l'ai fait une fois. Je vous promets, je ne vous refais plus jamais. Même si ça restera un cours mythique. Mais parfait timing. Mais oui, c'est pour ça que je parle beaucoup. Bah, je sais plus ce que je vais dire, du coup. Non, c'est un vrai cours. Donc, vous inquiétez pas. Mais après, de toute façon, comme le cours est en replay, vous pouvez peut-être le faire avec vos haltères de d'habitude. Et après, si vous voulez le faire, l'idéal, c'est une fois par semaine. Si vous voulez vraiment créer le changement dans votre corps, c'est un cours comme ça une fois par semaine. Il faut un cours haut du corps, un cours bas du corps. Voilà, une fois par semaine. Et là, vraiment, vous allez voir, vous allez voir votre corps se sculpter. Mais par contre, là aussi, il faut avoir les charges adéquates. Parce que ce qui fait vraiment que vous allez prendre de la masse musculaire, c'est la charge. C'est la charge. Donc là, votre repère, vraiment, je le dis en début de cours, c'est si sur chaque rep, là, vous sentez que vous êtes easy. Déjà, on va travailler 1 minute. Donc, 1 minute, c'est long. Mais si vous sentez que franchement, vous êtes cool, que vous n'avez aucune difficulté pendant toute la minute, prenez plus lourd. Prenez plus lourd. Christine, repose-toi bien. Prenez plus lourd. Voilà, c'est votre repère. Donc là, je vous dis, découverte aujourd'hui et en replay, vous prenez plus lourd. Hein, plus lourd. Parce que plus la charge, plus vous aurez une charge correspondant à votre niveau et plus vraiment vous allez casser les fibres du muscle. Vous allez les casser et du coup, vous allez, votre muscle va se reconstruire plus gros, plus fort. Voilà, je perds ma voix. Non, c'est bon. Allez, il est 11 minutes. 11 minutes, c'est bon. Si vous êtes prêts, on va commencer directement en gainage. C'est l'échauffement du jour. Et alors, je fais ce que je veux. Gainage. Gainage. Bah oui, le gainage fait toujours partie du renforcement haut du corps. Vous ne pouvez rien dire. Allez, une petite vague de smiley avant que vous placiez en planche, s'il vous plaît. Pendant que je me... Hop. Là. Vous ne voyez rien. Allez, gainage. Vague de smiley, par contre. Bon, de la musique R&B aujourd'hui. Merci à tous. Voilà, comme ça, on sent l'énergie. Voilà, on se sent motivé. Allez, même si c'est vraiment c'est une région du corps que vous n'aimez pas, mais à un moment, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Il faut avoir un corps polyvalent et pas seulement juste des fesses et la taille fine, les filles. Non, il faut aussi des bras et des épaules, ok? Allez, on se place en planche. Allez, placez-vous. Moi, mon chrono va être ultra loin, mais je vais essayer de le voir de loin, mais c'est pas grave. Starting the training layer workout, warm up. Allez, c'est parti. Position de planche sur les coudes, ne m'attendez pas. Hop. Allez, c'est parti. Allez, 1 minute. Allez, on rentre le ventre, mais sans lever les fessiers. On place bien les épaules au-dessus des coudes. On allonge son dos, on allonge sa nuque. Donc, vous regardez entre vos bras. On inspire par le nez et vous expirez vraiment par la bouche. Et vous allez voir, quand vous expirez, vous allez contracter vos abdos.
peu plus fort, on est chez les moines sinon. Continuez. Continuez, la minute n'est pas finie. Non mais oh. Allez, 30 secondes. Donc vous pouvez tendre les jambes, mais seulement si les fessiers restent bien alignés. Là je suis plus en planche là. D'ailleurs c'est ultra agréable, mais non. Ici. Combien de temps chrono? Il nous reste 10 secondes, ensuite c'est la planche latérale. Et oui, c'est notre échauffement, c'est du gainage. Uniquement du gainage. Allez, on tourne en planche latérale dans le sens que vous voulez. 30 secondes. Donc soit les deux pieds l'un sur l'autre. Soit un pied vers l'avant, c'est plus facile. Ou sinon, hop, vous poussez, fléchissez la jambe. Et toujours en gardant les hanches les plus hautes possibles, vous allongez votre bras. D'ailleurs, le fait d'allonger le bras, ça fait monter un peu les hanches. Dans 5 secondes, vous changez de sens. 3, 2, 1, on change. Allez, on se tourne tous le dos, c'est normal. Restez concentrés, vous pouvez fermer vos yeux, ça aide un peu plus à se concentrer. Allez, on contracte aussi les fessiers et les cuisses. On repousse le sol avec le coude, ça va activer un peu plus le haut du corps. Astuce. 5 secondes et on part en planche, bras tendus. 3, 2, 1, main sous les épaules, planche. Allez, on verrouille ses coudes, on les rentre vers l'intérieur. Juste petite différence. Là, mes bras sont légèrement fléchis. Moi, je fais des bras tendus. Et vous roulez vos coudes vers l'intérieur. Là, les triceps vont encore plus se contracter. Donc, vous pouvez très bien rester sur les genoux. Là, ça marche aussi. Mais sans les fesses en arrière. On aligne toujours épaules et fessiers. Dans 30 secondes, c'est fini. Là, les épaules vont prendre cher. Laisse tomber. 20 secondes. Pour tout savoir, c'est pas ce que je préfère à travailler, hein. Les pecs, triceps, épaules. Hein. Moi, c'est le dos et les jambes. Pecs, triceps, c'est jamais mon truc. Mais bon, il le faut quand même. Hein. Oh, stop. Alors, premier exercice, on se place sur le dos, c'est le développé couché. Allez. C'est la seule fois que j'arrête le chrono, après je vais être très efficace sur les transitions, ne vous inquiétez pas. Rest. Allez, on s'allonge sur le dos, paume de main face à face, les talons proches des fessiers. J'ouvre les coudes. Exercice. À 90 degrés. Je regarde juste ce que m'a fait le chrono, continuez. Rest, exercise. Allez, c'est pas grave, 8 minutes ou 2 minutes, c'est pareil. J'ai eu un petit souci, c'est bon, j'ai remis à zéro. Allez, on fléchit les coudes, ils touchent le sol, et je tends les bras vers le plafond. Donc vraiment le coude, aligné avec votre poignet et votre épaule. J'inspire en bas, je souffle à la montée. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle par la bouche, c'est primordial, hein. Allez, 30 secondes. Alors là, vous devez lever au maximum la poitrine. Hein. Vous sentez, le dos n'est surtout pas à plat. Les lombaires bien au sol, mais entre eux, vous cambrez au maximum. Allez, un maximum de reps avec une belle extension des bras vers le plafond. Là, normalement, ça commence à chauffer, hein, si la charge est bonne. Hein. Sinon, bah, vous allez faire un maximum de reps. Hein. Rest. Allez, 10 secondes pour se mettre en position de pompe. Allez, forcez à vous. Pompe large, bien sûr. Exercise. Allez, on contracte ses abdos, on contracte ses fessiers. Pompe large. Allez, les mains bien sous les épaules. Vous plongez vers le sol avec la poitrine. Et pas avec le ventre, la poitrine. J'inspire à la descente et je souffle à la montée.
remonter, c'est le souffle qui va vous donner votre force. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, sinon on n'oublie pas, quand une minute de pompe c'est quand même très long, vous pouvez très bien rapprocher vos genoux et ramener le nez vers le sol. Mais, en mettant de la force, hein, je vous le dis à chaque fois, ça, il ne se passe rien. On peut en faire 800 milliards 99, mais il ne se passe rien. Par contre là, là je sens vraiment qu'elle travaille dans la poitrine, dans les épaules et dans les triceps. Hein. Stop. Vous prenez un haltère, seulement un. Vous le tenez comme ceci, bras tendus. Vous l'avez derrière la tête en gardant les bras tendus le plus possible. Exercice. Bras tendus. Là, il faut avoir l'haltère le plus lourd possible, hein, le plus lourd. Hein. Donc, si vous voulez prendre les deux haltères, vous pouvez. Vous envoyez les bras derrière la tête en les gardant tendus. Ce mouvement s'appelle le pullover. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je me renseigne. Est-ce que quand on enlève notre pull, ils avaient... Je ne sais rien, je ne sais pas. Allez, allongez vos bras. Donc là, il faut un petit peu de la souplesse au niveau des épaules. Hein. Ah, c'est mieux là. Vous entendez bien ma respiration? Allez, sans fléchir les coudes, hein, c'est le challenge. Hein. Rest. Stop. On reprend les deux haltères, cette fois-ci. Les coudes fléchis, paume de main face à face. Vous allez ramener les coudes vers l'avant, développé serré. Exercise. Coude vers l'avant. Faut que le coude vraiment frôle votre ventre, vos côtes. Et ensuite, vous faites toujours une belle extension. Donc là, c'est toujours en développé couché, mais en mode serré pour activer encore plus vos triceps. Imaginez que vous voulez envoyer vos coudes vers vos talons. Vers vos talons, d'accord? J'inspire. Je souffle. Toujours avec la même position au niveau du dos. Allez, levez-moi vos pecs là, le plus possible vers le ciel. Et toujours en contractant vos abdos. Plus vous êtes gainé, plus vous êtes fort. Donc les talons bien ancrés dans le sol. Allez, dernière seconde, ma team. Allez. Rest. Stop. Allez, on tourne 10 secondes pour le triceps. Allez, mains sous les épaules. Exercise. Donc c'est exactement la même position, mais on pompe. On envoie les coudes vers les talons et en les frôlant le près des côtes. C'est la pompe la plus difficile, on en a tous conscience. Donc pour cela, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à rapprocher vos genoux. Vraiment, n'hésitez pas. Mais je veux pas entendre. Je sais pas faire de pompe, j'arrive pas. Non, tout le monde sait faire une pompe. Là, il n'y a pas de problème, ça marche. Ça marche. Mais pas en dilettante, hein, là, comme tout à l'heure. Hop, on repousse le sol à la descente et à la montée. Et toujours sur l'expiration à chaque montée. Vraiment, s'il le faut, exagérez votre respiration. Allez, ça va sonner. Stop. Reprenez les deux haltères, triceps extension sur le dos. Vous le connaissez par cœur. Paume des mains face à face, vous allez ramener les haltères au niveau des oreilles. Exercice. Alors, si vous comprenez comment j'ai construit le cours, j'ai fait les trois premiers exercices surtout sur les pecs. Les trois prochains, là, c'est surtout sur les triceps. Et il nous restera deux derniers, ça sera sur les biceps et les épaules. Comme ça, on aura tout travaillé. Allez ici, les coudes fixes. Toujours face à face, vous envoyez les haltères vers les oreilles. Mais sans, on n'est pas au pullover comme tout à l'heure. Là il y a une flexion du coude. Hein. Oh putain, on va avoir les bras en folie. J'annonce, si vous avez la bonne chance, on va avoir les bras en folie.
Rest. Allez. On va rester sur les genoux. Hein. On va rester sur les genoux. Biceps curl. Exercise. On roule les épaules en arrière. Hop, et là, on fléchit les coudes. Paume de main face à face à la descente. À la montée vers les épaules. Comme ça, on travaille tous les faisceaux des biceps. Allez, on se redresse totalement et on garde le coude fixe. Hein. Hop, on ne se balance pas. Et je mets toujours le coude sous l'épaule. Hein. Comme ceci, comme moi. Si je vous dis qu'on a 4 tours. On a 4 tours. Là, on est toujours sur les lourds. Hein. On est toujours sur les lourds. Hein. Il n'y a que le dernier exercice où vous pourrez décharger. Si vous, si vous préférez être debout, vous pouvez être debout sur cet exercice. Rest. Stop. Allez, si vous voulez prendre les plus légères, vous pouvez. Le meilleur exercice pour renforcer les épaules qui est le développement militaire. Allez, passez les coudes à 90 degrés. Exercice. Allez, c'est parti. Oh punaise. Allez, toujours une extension vers le plafond. Là, je mets les coudes au niveau de vos épaules ou légèrement en dessous, mais pas ici. Là, vous relâchez. Pas ici, il n'y a pas son amplitude. C'est, voilà, en dessous de la ligne des épaules. Ah. Le mouvement le plus complet qui va faire, vous allez avoir des épaules comme des noix de coco. J'aime bien dire ça. Vous voyez les noix de coco, c'est comment c'est joli? C'est tout rond, et ben voilà. Faites des développés militaires, vous aurez des épaules comme des noix de coco. Non mais c'est vrai, je le dis tout le temps parce que c'est mignon les noix de coco. Allez, il nous reste 15 secondes. Ouh, punaise, 10 secondes. J'espère que vous voyez bien ma grimace. Ouh. Stop, 10 secondes pour se placer en grimpeur. Oui, mais j'étais obligée. J'étais obligée. Lentement. Si vous voulez retirer les grimpeurs et rester uniquement en planche, vous pouvez alterner les planches frontales, les planches latérales. Là, je suis consciente qu'il y a un gros travail sur vos épaules. Donc, si vous voulez les soulager, vous pouvez. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes. Entre vos coudes, donc pas entre vos biceps, mais entre vos coudes.
tuer le dos là. Là, je suis en train de me tuer le dos. Donc, si vous sentez que vous êtes en train de vous tuer le dos comme ceci, rapprochez-moi vos genoux tout de suite. Tout de suite. Stop. Notre pull-over, soit on prend un halter ou deux. Maintenant que vous l'avez fait une fois, moi je vais prendre les deux. Allez, bras sur plus. Bras tendus, on les envoie derrière la tête. Il faut que la terre touche le sol. Touche le sol, mais sans fléchir le coude. Focus respiration, les guys. C'est impossible, et ça vraiment, je le dis chaque jour, hein, qu'on travaille en apnée, mais surtout quand on fait la musculation. Vous le ressentez vraiment, votre souffle, hein, ça vous aide, ça vous aide. Allez, on a fait la moitié. Superbe. Allez jusqu'au bout. Allez les girls. Allez. Stop. On prend les deux haltères, développé serré. Développé serré. Paume de main face à face, les coudes vers les talons. Allez, on prend les bras. Exercice. Allez, le plus possible. Faut que les coudes touchent le sol à la descente. Hein, toujours. Donc si vous ne savez pas, c'est toujours la question vraiment qu'on me pose, on me la pose toutes les semaines. Comment on dessine les bras et comment on dessine les chauves-souris qui portent, vous savez, en dessous des bras, là, qu'on a tous, hein. Bah, c'est les triceps, donc là c'est ce mouvement-là. Plus vous allez prendre du muscle, plus vous allez perdre du gras. Hein. Et plus du coup vous allez avoir le bras fin, hein. C'est toujours quelque chose qui vous stresse, c'est dire putain je vais avoir des gros bras, non. Les filles, pour avoir des gros bras, il faut faire au moins 6 heures de musculation par semaine. Hein. Malheureusement pour nous, c'est beaucoup plus dur. Donc si vous en faites vraiment, vous faites un cours comme ceci une fois par semaine, vous allez vraiment avoir le bras de plus en plus fin. Mais par contre, quand vous allez le toucher, il sera dense. Dense. Rest. Stop. Allez, pompe. Hop. On roule. Oh, allez, les pompes, on y croit. Exercice. Ouais, tu sais, c'est où le triceps? Tu sais à quoi ça sert? Ouais, toi, tu sais pas. Moi, je sais.
Non, mais c'est vrai. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi en fait on fait un exercice. Ok, ça commençait dur. Je crois que c'est les biceps, non? Allez, biceps, sur les genoux ou debout. Exercice. Et bien vous serrez les haltères, vous les serrez. Et là naturellement votre biceps va se contracter. Bien sûr, c'est pas parce que vous êtes sur les genoux qu'il faut tanguer. Hein. Il n'y a pas de hop, hop, hop. Non, on reste bien droit. On fixe son poids vers l'avant. Et on est bien. Allez, il nous reste 15 secondes. On a dit un max de rep, non? Stop. 10 secondes. Développé militaire. Allez, moi je prends les petites. Vous voulez prendre les petites? Exercice. Allez-y, allez, force à vous. Oh, je gratte quelques minutes, c'est pas grave. Quelques secondes, c'est pas grave. Voyez bien ma position des coudes. Je vais venir à faire ça. Hop, à faire ça. Non, si vous n'arrivez pas à tendre les bras, vous prenez plus léger. Prenez plus léger. Si vous descendez trop bas, prenez plus léger. Ici. Voilà pourquoi je dis c'est toujours bien d'avoir un miroir. Mais un miroir en musculation, ça ne sert pas à s'admirer, à se mater, hein, comme certains peuvent penser. Ça sert à voir si on a la bonne position, la bonne amplitude. Voilà pourquoi il faut des miroirs dans une salle de musculation. Après, oui, il y en a qui abusent, qui vont plus se mater plutôt que corriger leur technique. Mais il en faut. Allez, 10 secondes. Vers le ciel. Rest. Grimpeur. Recovery. Rest. Allez les pompes. Allez, je roule comme une limace, c'est pas grave. Exercise. En plage. Allez, on va essayer de se désorter. Oh, punaise.
Et là, on sent bien les acteurs. Respiration. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Le tapis, il est en train d'avancer plus en plus. Mais bon, c'est la santé, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Est-ce que vous le pensez tout de suite là maintenant? Est-ce que vous êtes en train de kiffer les pompes là? Rest. Allez, on tourne, pull over. Un ou deux haltères. Allez, on a un petit c'est moi. Exercise. Let's go. Allez, derrière la tête. On allonge. Et ensuite au-dessus de la poitrine. J'ai dit, hein, le challenge, c'est de pas fléchir les coudes. Toujours tendu, toujours tendu. Rest. Allez, nos pompes. Nos pompes triceps. Exercise. Allez, comme sur les pompes larges, je vais essayer sur les orteils. On va voir si ça passe ou pas. Hop. Mais on essaye de ne pas toucher avec le dos. Merci. Tout dur et tout fin. D'accord ?
Rest. Stop. Genoux ou debout, biceps. Exercise. Biceps, biceps, biceps. Ne m'attendez pas, biceps. Donc c'est exactement comme ça, je construis mes séances de musculation. En 1, vous avez l'exercice de balle, celui qui sollicite le plus de muscles. Donc nous, c'était développé couché. Et ensuite, on isole. Vous allez déprendre la musculation comme ça. Allez, 30 secondes. Mais en muscu, on n'oublie pas, si vous voulez vraiment prendre de la masse musculaire, il faut partir sur faire 8 à 12 reps. Donc il faut que vous ayez la charge conséquente pour faire 8 à 12 reps, pas plus. Rest. Stop. Allez, je suis une ouf. Je vais essayer de garder les 5 pour les 30 premières secondes. Développé militaire. Est-ce que vous jouez le jeu? Ah. Exercise. C'est pas un truc que si je tombe, vous tombez avec moi. Je crois que c'est ça, hein, le dicton. Hein. Allez. Oh putain, pardon. Ça change tout. Allez, apprécie ma belle grimace. Je veux la même sur votre visage. Ah, 30 secondes. Le dernier tour, on essaye de faire la minute. Ah, plus d'épaule. Plus d'épaule. Elle est en train de partir. Elle est en train de partir. Mais on a encore besoin d'elle. Il nous reste 11 minutes de cours. Ouais, putain. Pardon. Je m'excuse pour cette vulgarité. Je contrôle pas. Oh putain. Allez, grimpeur. Prenez le temps que vous voulez, pour partir en grimpeur. Hein. Rest. Oh punaise, dernier tour de pompe. Hein. Allez, il en reste un. Exercise. Dernier. Ceux qui peuvent se mettre sur les orteils, mettez-vous sur les orteils. C'est le dernier tour, nous sommes obligés. Les pompes semblent de plus en plus dures, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, c'est normal. Hein.
problème. Allez, dernière série. Dernière série. Triceps extension. Je sais que mon discours est très axé nana, mais parce que à 80% des personnes qui suivent mon cours, c'est vous les filles. Donc je suis obligée vraiment de vous saouler avec tout ce discours. Le haut du corps, hein. Vraiment, s'il faut que je vous le dise tous les jours, je vous le dirai tous les jours. Mais je lâcherai pas le morceau. Moi, je veux qu'il y ait plus de filles qui bossent le haut du corps. J'en ai marre. Il y a peu de filles en musculation et les seules qui font la musculation, elles font des squats. Bon, c'est génial, hein. Je dis pas le contraire, hein.
Mais par contre, en développé couché, j'en vois aucune. Hein. Bizarrement, je suis toujours toute seule. Et ça, c'est pas normal. Parce que plus il y aura de filles, plus il y aura de filles en musculation, et moins on aura peur justement de faire la musculation. Parce que je sais. La suite au plus. Allez, biceps. La vie, elle est en train de parler en même temps. Parce que je sais que c'est très difficile pour nous, les filles, vraiment, de faire la musculation en salle et quand il n'y a que des garçons. Je sais, j'en fais partie. Hein. Moi, si j'avais pas commencé dans une petite salle où il n'y avait personne, j'aurais jamais commencé la musculation. C'est impossible. Et après, quand je suis rentrée dans une salle où il y avait beaucoup de garçons, j'avais déjà un bon niveau. Donc forcément, j'avais pas peur. Mais je peux comprendre que vraiment, être une nana, faire de la musculation, c'est très compliqué. Donc, si on était de plus en plus nombreuses, ben, il n'y aurait pas de problème, en fait. On ne se sentirait pas absolument regardées par tous les garçons. Parce que ça serait genre normal. Là, les filles sont tellement plus nombreuses que forcément, quand on vient en salle, on est comme de la viande. Genre, les mecs, ils n'ont jamais vu une nana, quoi. Bah ouais, malheureusement, mais... Donc, quand les salles vont ouvrir, les filles, faites-moi de la musculation. C'est votre prochaine résolution. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On garde les lourdes. On garde les lourdes pour le développé militaire. Allez, on essaye. Oh punaise. Allez, on essaye. Oh putain, pardon, pardon, fallait qu'il sorte. Bon, je sais pas créer son chakra, promis. Oh putain, pardon, 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 pardon. Je vais tenir, on va tous tenir. Par contre, on a tendance à perdre son gainage et vous allez envoyer le bassin par l'avant. Non, contractez-moi vos fessiers. Je lâcherai pas. Oh punaise. Non, non, c'est pas possible. 10 secondes. Allez, on continue. Allez, grimpeur, on y va. Recovery. 1 minute. Ah, j'ai plus d'épaule là. J'ai plus d'épaule. Grimpeur, ouais, avec moi, bah, j'ai plus d'épaule là, sinon je vais claquer. Faites ce que vous voulez. Moi j'alterne, sinon c'est sûr que je tombe là. Hein. 30 secondes. Oh putain, j'ai le triceps en feu. 20 secondes. Ouh. Allez, statique, 15 secondes. C'est quoi 15 secondes? 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Great workout. You spent 45 minutes 40 seconds exercising. J'aime bien les cours comme ça je peux vous parler tout le long. Vous faire la morale et vous donner plein de conseils. J'adore. Allez, de l'autre côté. Je compte sur vous, hein. À toutes, vous savez, les filles, vous avez forcément des copines. Je le sais, hein. Ah non, moi je bosse pas le haut du corps. Ah non. Et vous allez montrer une photo de moi. Ah non, de venir quand même. Ah non, c'est trop ça.
Non, vous n'allez pas devenir comme moi. Tant que les salles sont fermées, vous ne pourrez pas prendre autant de muscles que ça. Aïe, aïe, aïe. Par contre, vous pouvez avoir... vous pouvez quand même avoir... les bras plus fins. Allez, on relâche, on étire les pecs, on ouvre les bras. On ouvre les bras, on serre les omoplates, on lève la poitrine. Allez, on étire les deux élongés le plus possible. Et maintenant, on pousse vers le sol, on ajoute les biceps. On relâche, on enroule les épaules en arrière et bravo à tous! Good job! J'adore le mercredi renfo. J'adore! Oh, je vois un super beau message, je vais lire tout de suite. Hop, j'éteins, je fais mon petit coussin. Tu te tais. Bonjour, la meilleure coach de l'univers, je le ferai en replay, pas possible le matin. Oh, c'est gentil, merci Fanny. C'est bien, alors, super court, mais j'ai pris le plus léger pour terminer. Le quatrième tour étant redoutable. Et ben exactement, c'est très bien. Girl power! Ah! Ça j'aime! Non mais je suis vraiment pour. Je suis pas féministe à 100%, pas à 100%, enfin quand même. Mais je dis que vraiment plus vous allez vous sentir forte, je vous promets, forte vraiment dans votre corps, et plus vous aurez envie de décrocher les montagnes, vraiment. Vraiment, j'adore travailler le haut du corps. Ah, ça repose les jambes. Bah oui, c'est comme ça qu'on fait une séance dans la deux. Comment on se fait un planning de musculation? On se fait une séance pec triceps, une séance jambes, une séance dos. Voilà, et comme ça, les muscles se reposent. Là, on a laissé reposer les jambes, c'est parfait. Donc peut-être quand je pourrai plus trop faire de cardio dans les prochains mois, eh ben on se fera ça. Parce que ça, je sais que je pourrais toujours. Normalement, je peux toujours le faire jusqu'au bout, normalement. Mais good job, promis, je le ferai toutes les semaines, exactement. Donc au moins une fois par semaine, les filles, et je vous promets, vous n'allez pas ressembler à un bonhomme. au contraire, je trouve des petits muscles, voilà, enfin même des gros muscles, parce que moi je me sens féminine, et ben vous allez être encore plus féminine. Mais vraiment, je vous le dis, plus vous allez vous sentir forte, et plus vraiment vous aurez envie de tout faire. De tout faire. Et que des fois, on a trop tendance à compter sur les garçons. Bah non, en fait, moi, je peux très bien déménager toute seule. Hein. J'ai pas besoin de chaton. Hein. là-dessus, en ce moment, j'ai un peu besoin de lui. Parce que du coup, je peux plus trop soulever des trucs lourds. Mais dans les mois à venir. Mais non, voilà. J'adore le haut du corps, surtout les épaules, super. Et moi, j'adore voilà les petites épaules. Bon, on les voit un peu moins, mais les petites épaules comme une noix de coco, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, et je trouve que moi, une fille faire des pompes avec les épaules dessinées, moi, je trouve ça magnifique. De toute façon, moi, j'ai une passion pour le muscle. J'adore le muscle. Quand je suis avec mes poulets en coaching, quand je vois leurs muscles, du coup, se dessiner, je leur dis « Regarde !» Du coup, ils ne voient pas trop, mais j'adore voir le muscle en action. Je trouve ça magnifique, le corps humain. J'adore les muscles. Je trouve ça beau. Voilà, je trouve ça juste beau. Voilà, pas besoin d'avoir des gros muscles, mais juste des muscles. Voilà, des petits muscles musclés. Là, vous me prenez pour une tarée, mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. On va être magnifique grâce à toi. Moi, je fais tout pour, en tout cas. Je fais tout pour, vraiment. Là, c'était vraiment la séance qu'on n'avait pas fait. Le dos biceps, je vous l'ai fait, mais il y avait du cardio. Donc, essayez peut-être de faire le dos biceps aussi. Et là, du coup, si vous faites au bas du corps, dos biceps et haut du corps, là, c'est bon. Je vous promets, vous allez avoir votre corps se dessiner. Donc, quand je vous dis le cardio, c'est génial. Je dis tous les jours, le muscle le plus important, c'est le cœur. Mais si vous faites que du cardio... Vous êtes plat comme un... Pas comme un cul, du coup, si je peux parler comme ça. Mais vous allez tout plat. Tout plat. Voilà. Regardez juste la morphotype des runners qui font que de la course à pied. Tout plat. Tout plat, tout mince. Après, il y en a... Je sais que vous recherchez peut-être ce physique-là. Désolée. J'ai toujours la petite goutte au nez après le sport. Mais non. Mais non, et après il y a vraiment le truc, par exemple, ça c'est le truc que nous. Désolée, c'est très sexy, hein, les garçons. De toute façon, j'ai pas vu de garçon aujourd'hui. Désolée si vous êtes là, mais on parle cellulite.
Ah, c'est vite. Bon, bah, là, je suis grave attaquée. Je pense que je vais être attaquée pendant des mois encore. Ce qui vraiment va faire en sorte que vous ayez de moins en moins de cellulite, malheureusement, on en aura toujours. Là, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de la cellulite. Mais vraiment, ce qui va faire que vous allez avoir moins de cellulite, c'est la musculation. Faites-moi des squats, faites-moi des fentes. Plus vous allez prendre du muscle et moins vous aurez de cellulite. La course à pied, ça ne changera rien. Je vous promets, parce que avant de faire de la muscu, je faisais que du cardio. Bah, j'étais plate comme un cul. Et punaise, j'avais toujours de la cellulite, même si j'étais mince. Enfin, ouais, j'avais de la cellulite. Et ce qui a fait que j'en ai eu moins, là je vous parle vraiment de mon parcours, mais parce que du coup, eh ben, c'est la musculation. C'est la musculation qui fait que j'avais moins de cellulite au niveau des fesses, au niveau des cuisses. Parce que du coup, mon muscle prenait plus de la place. C'est tout! La muscu, ça sert, voilà. Ça sert à sentir forte et à sentir encore plus belle. Voilà. À vous de jauger à quelle intensité vous voulez faire de la musculation, mais vraiment, soulevez-moi des charges. Je sais que les salles sont fermées, donc là, c'est un peu compliqué. Mais bon, on commence à être bien équipé à la maison. Essayez. T'as mangé du lion ce matin? Ah bon? Bah, je sais pas. Bah non, c'était tranquille le cours aujourd'hui. Génial, c'est 4 tours. Et ben super, hello, je suis trop contente. Alors, ouille mes bras, 3 kilos le long, super. J'adore la muscu combinée au cardio. La vie, merci. Ah là là, je vous aurais bien... vous savez, vous êtes comme mes enfants. Ce que je dis, mes poulains... Enfin, vous êtes mes enfants. Et ben, je vous aurais bien éduqué. Voilà, parce que je sais que maintenant vous volez de vos propres ailes et que vous avez les bonnes bases, vraiment, vous devez avoir une bonne hygiène de vie et voilà, donc je suis très contente. Pire qu'un pub, j'ai plus de bras. Ah, bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc vous savez que la charge était bonne et c'est très 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 bien. Énorme, merci. Voilà, rien de tel que d'avoir des bras oui fusselés, musclés. Voilà, n'oubliez pas d'avoir un corps harmonieux. Et ça, c'est vraiment ça, je me bats contre ça. Un corps harmonieux. Combien vous voyez les fit girls là qu'on voit là? Elles ont juste la taille fine. Du coup, elles s'acharnent sur les abdos et du cul. Et du cul, et encore, le cul, c'est pas forcément naturel, c'est plus la chirurgie. Ben non, en fait, c'est pas ça le but, c'est d'être ouais, harmonieux. Harmonieux. Et votre corps vous remerciera. Voilà, donc on travaille tout, les filles. C'était dans les années 60, hein, qu'on a... enfin, j'en sais rien, je dis conneries. Hein. Mais c'est old school, hein, d'avoir que du cul et pas de bras. Hein. Pas de bras, pas de chocolat. Tant pis. J'ai préféré les grimpeurs aux pompes. C'est vrai? Oh, j'ai préféré les pompes. Vous êtes tarés, c'est pas possible. C'était génial. Ah, bah tiens. Déjà, je viens de devancer. J'ai plus de bras, plus de chocolat. Et bah tant pis. Voilà. Plus de chocolat pour la journée. Mais après, n'hésitez pas vraiment, dites-moi en commentaire, bah, surtout YouTube, comment vous avez trouvé ce cours. Voilà, pour les femmes de cardio, je sais que vous avez moins aimé, mais à un moment, il le faut. Il le faut. Là, je pense qu'on a bien senti le haut du corps bosser. Voilà, et ça, c'est plus intéressant. Ceux qui ont raté son cours ont tout perdu. Bah, ils le feront en replay, j'espère. J'espère, mais voilà. Moi, ça m'attriste toujours que quand je fais des cours foufou, on est 350, et quand je fais un haut du corps, bah, il y a moins de monde. Alors par contre, quand je fais un CAF, il y a beaucoup de monde. Bah non, bah non, arrêtez de cibler votre travail. Là aussi, c'est toujours une question. On se dit, bah, plus je vais bosser, vas-y, je veux perdre du ventre. Ça, c'est aussi une question qu'on me dit toujours. Je veux perdre du ventre. Donc, il y a un mythe aussi, il y a un mythe qui nous dit que pour perdre du ventre, il faut faire des abdos. Non. Non, 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 faux. Pour perdre du ventre, déjà de 1, c'est une bonne alimentation, car tout ce qui est vraiment sur la région du ventre, c'est l'alimentation. C'est 80% de la réussite. J'ai pas dit 50-50, c'est 80% de la réussite. Vous pouvez pas manger, je dis vraiment un exemple grossier, hein. Vous pouvez pas manger des frites et espérer ne pas avoir du ventre. Bah non. Bah non. Il faut avoir une alimentation équilibrée et faire du sport. Et faire du sport. Faites-moi du cardio, vous allez perdre de tout. De tout. Faites des squats, vous allez perdre du ventre. Faites du développé couché, vous allez perdre du ventre avec une bonne charge. C'est tout. On ne peut pas cibler une zone. Voilà. Par contre, si oui, votre focus est je veux vraiment dessiner mes bras, et ben vous faites tout le premier atelier. Voilà, développé couché, développé serré, triceps extension, bah là oui, vous allez dessiner vos bras. Voilà.
et faire des pompes. Voilà. Toujours le petit discours de fin de cours. Yes, girl power. Je te laisse, je vais au taf. Bon courage. Et je commence à avoir les noix de coco. Eh ben oui, bah oui. Voilà, moi je suis très contente. J'adore vos noix de coco. Hyper dur, surtout avec les tendinites. Hein. Ah, bah oui. Avec les tendinites. Où j'ai vu ça? J'ai perdu ton message. Ah bah je sais plus où il est. Il est parti. Je suis désolée Corinne, je ne sais pas où était ton message. Mais oui, s'il y a tendinite à répétition, ça je suis d'accord, ça peut être compliqué. Là, je... Ouais. Je partage totalement ton point de vue sur la beauté du muc. C'est tellement important pour notre santé d'avoir un corps musclé. Et oui, et ça c'est vraiment, tu as dit le bon mot, pour la santé. Et je trouve que ouais, les médecins, on en parle de plus en plus. Mais vraiment, se muscler, c'est pour votre santé. C'est pas que l'esthétique, c'est pour votre santé. Plus vous êtes vraiment tonifié, et plus vraiment quand la vieillesse, parce que c'est ce qui nous attend tous, c'est ce qu'on ne veut pas voir, mais malheureusement, c'est ce qui nous attend tous, vous allez beaucoup mieux la vivre. Et vous serez beaucoup plus actif jusqu'à 85 ans. Voilà. Que les personnes qui n'ont pas bougé, et ben là, c'est chaud patate. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez rester indépendant jusqu'au bout, il faut faire du sport. Il faut faire du sport et vous vivrez plus longtemps. Car oui, ça j'étais contente de voir qu'il y avait une étude, il y a plusieurs études qui ont démontré que le sportif vit plus longtemps que le sédentaire. Bah forcément, forcément, on a moins de risques d'avoir de maladies, on bouge plus, tout va bien. Voilà, on vit plus longtemps et en plus on est en forme. Vous avez vu? On a tout à gagner à faire du sport. Tout à gagner. Donc, on fait du sport. Après, il faut avoir le déclic. Je sais que ça peut être difficile. Mais c'est pas impossible de se mettre au sport dès maintenant. Si vous n'avez jamais fait de sport, il n'y a pas d'âge pour commencer. Et là, vraiment, avec vos parcours que vous me racontez très très bien, par mon histoire, vraiment, vous voyez très bien qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre au sport. D'accord? Il n'y a pas d'âge. Commencez tranquille. Tranquille. Allez marcher. On commence comme ça. On marche. Voilà. C'est marrant parce que du coup, j'ai envie de vous raconter, je cours toujours sur le même parcours au bord de la Moselle. Donc, ça fait des mois que je cours toujours, et je cours toujours à 9h, même heure. Et ben, je rencontre toujours les mêmes personnes. Je rencontre toujours les mêmes personnes. Et j'ai toujours remarqué, il y a une dame qui marche. Elle marche, elle marche, elle marche tout le long. Du coup, je la vois à l'aller et au retour. Mais là, je me dis, et moi, je suis contente parce qu'elle fait pas de sport, mais elle marche. Et bah, elle est âgée. Et moi, je trouve ça génial de se dire, bah, tous les matins, elle a sa petite routine, bah, je vais marcher tous les matins. Bah ouais, il n'y a pas besoin de faire de courir, mais c'est juste que ça fait du bien de marcher, de bouger. Voilà. Donc, peu importe l'intensité, bouger. Voilà. Je voulais pas la filmer, mais tous les matins, je la vois. Vraiment. Et moi, je trouve ça génial. Et il y a plein de petits couples de retraités qui marchent. Je vois toujours les mêmes personnes. Voilà. Ou deux personnes qui courent, mais des rythmes, bah, et les fusées, et sinon des rythmes tortues. J'ai dit, mais ouais, y a pas de... on s'en fiche du rythme. Du moment qu'on bouge, bah, la tortue, elle est très bien. Donc voilà, on aime les tortues. Ça va être notre smiley préféré, la tortue. En tout cas, je confirme, j'aime de plus en plus le haut du corps. Super, Mathilde. Les cours sont pour les hommes et pour les femmes. Ah bah oui, ils sont pour tout le monde. Oui Cédric, c'est pas parce que là du coup j'ai ciblé principalement les filles parce que c'est les filles qui bossent qui bossent moins le haut du corps que le cours n'est que pour les filles. Alors sachez, là aussi je me bats contre ça. Il y a aussi un mythe urbain qui dit qu'il y a des exercices pour les hommes. La diarrhée, vous entendez à mon ton ça me... Des exercices pour les hommes et des exercices pour les femmes. Où avez-vous ça en fait? Tout ce que peut faire un homme, une femme peut le faire. Et vice-versa. Il n'y a aucun exercice qui est réservé pour les hommes et qui est réservé pour les femmes. Aucun. Quand je dis aucun, c'est aucun. Aucun. D'accord? Donc là, vraiment, on est en 2021, parité. Hein. Une fille fait exactement la même chose qu'un homme. Ce qui va faire, bien sûr, la différence, bah, c'est les charges. C'est la charge. Bah ouais, parce que, faut l'avouer, moi, ça me fait chier. Je l'ai dit quand même, je me suis chier. J'aurais beau bosser comme une tarée, et ben, par exemple, les garçons souleveront plus lourd que moi. Bon, par contre, j'adore soulever plus lourd qu'un garçon. Ça, c'est mon kiff. Mais voilà, à part égale, et ben, un garçon qui fait de la muscu régulièrement comme moi, ben, il soulèvera plus lourd. C'est tout. Mais sinon, on fait exactement la même chose. D'accord? D'accord? Donc, je ne vais plus vous entendre dire exercice homme, exercice garçon. Homme, femme, plus jamais.
Non mais j'adore bosser du coup. J'adore vous parler de ça. En parlant de run, je vais courir en mode de tortue. Et ben super Hello, super Hello. J'aime. Moi je préfère courir avant le cours, mais si vous préférez courir après, comme là on n'a pas fait de cardio, c'est intéressant de faire un autre truc cardio si vous en voulez plus. Après si vous en voulez pas plus, ben y a pas plus, y a aucun problème. L'essentiel c'est de bouger, le sport c'est la santé. Grâce à toi depuis le premier confinement, j'ai redécouvert le sport. Merci. Et ben avec plaisir, vive le haut du corps. Merci. Bah sur ces bonnes nouvelles, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Continuez comme ça. Donc je veux vraiment un maximum de commentaires sur ma vidéo YouTube. Et voilà, vous me redirez encore ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que ça vous a plu, je le sais. On est plus de 4500. Ça monte. À 5000, je vous arrête de vous saouler. On dit, on préfère les chiffres ronds. Regardez, 5. Je peux dire 5. 5000 foufous qui suivaient cours. Eh, ça claque. Oui, je le sais. Maintenant, je suis motivée. Oui. Merci Cédric. Et alors là, de le voir d'un garçon qui dit ça, moi, ça me fait encore plus plaisir. Tout à fait d'accord avec vous. L'homme ou la femme, il n'y a pas de différence. Je suis d'accord. Et ben, quand c'est un garçon qui le dit, moi, ça me fait encore plus kiffer. Merci. Voilà. Donc, vous pouvez très bien vous entraîner à deux. Voilà. Entraînez-vous à deux. Et ouais. Et j'adore le petit smiley Robocop et biceps. Ouais. Voilà. Donc, les filles, faites les mêmes exercices que les garçons, il n'y a pas de problème. Et faites de la muscu. Oui. Mais je vous dis vraiment, dans les prochains mois, quand je serai totalement handicapée, on en fera plus. Vive Cédric, exactement. Le seul garçon présent voilà, qui ose commenter, et ben ouais, je suis très très contente. Donc, merci Cédric. Voilà ma team, je vous laisse tranquille. Abonnez-vous à ma page si vous n'êtes pas abonné. Je sais que vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Mais vous savez que pour la petite différence, et là je préfère, même si vous n'êtes plus trop nombreux, la petite différence qui fait que vous le savez que j'aurais très bien pu. Là c'est vraiment pour vous rendre compte que je pourrais très bien faire des cours payants. Voilà, et je m'en sortirais très bien. Je sais très bien que ça marcherait, mais voilà, voilà, je suis consciente que le sport est trop important, et pour moi c'était hors de question de que mes cours soient. Ah, je crois que c'est fermé. Attends, désolée, il y a chaton qui arrive. Oui, j'ai fermé. Deux secondes. Ça va ? Désolée. Et je disais, c'était pour moi, c'était hors de question que mes cours ne soient plus réservés que à ceux qui pourraient très bien financer des cours payants. Donc, si j'ai choisi YouTube, je vous dis comment ça marche. Ça marche au nombre de vues. Donc, plus mes vidéos sont vues, plus vous avez. Maintenant, il y a de la pub. Hello Léo, tu vois, t'es déjà au taquet là. T'es bien vu, hein. Et toi, tu dis pas bonjour. Ah oui. Oui, hein. Il est au max. T'es au max. Bonjour. Bonjour. Félicitations, chaton. Du coup, je disais, ça marche au nombre d'abonnés et au nombre de vues. Donc, quand vous regardez la petite pub qui est là, bah moi, ça marche pour moi. Je gagne pas grand-chose, mais c'est une petite cacahuète. Donc, plus jamais vous regardez, vous abonnez, au moins vous vous abonnez en regardant mes vidéos, bah moi j'ai tout gagné et ça permet deux cacahuètes. Là j'en ai une. Ça gagne que dalle. Mais au moins voilà, je me dis c'est un petit compromis entre vous et moi, comme ça c'est toujours gratuit. Moi je peux gagner une cacahuète, mais c'est pas grave. Ok ? Donc maintenant vous savez tout. Allez ma team, sur ce je vous laisse. Je vous fais des bisous, chaton. Genre. Non, il est pas vrai. Allez, je vous fais des bisous. Merci à tous.